Je suis en mode chopeuse. J'ai des palpitations et il me faut la pièce qui va rapporter la palme d'or des compliments. Je regarde partout, même à travers une porte au cœur de Saint-Germain. Et là, j'aperçois une boutique au fond d'une cour. Je suis curieuse, je tombe amoureuse. The Space, la destination des globetrotteuses comme moi. Nous voilà chez The Space, la boutique féminine rock par excellence qui pourtant s'adapte à plusieurs profils féminins puisqu'ici on trouve à la fois des basiques mais aussi des petits blousons super sexy, ultra féminins, des jeans recouverts de lurex, toujours dans le cool. Nous sommes dans l'ancienne boutique de Vicky Thiel. Elizabeth Taylor avait investi dans la boutique et on retrouve vraiment cette patte artistique avec toujours des expos d'art contemporain, des bijoux très pointus. Les deux propriétaires chinent à Londres, à Paris, à New York. Elles sont complètement internationales, l'une dans la mode, l'autre dans l'art. Bref, ça grouille de tendances, on a envie de tout acheter. Les propriétaires sont complètement fashion addicts elles-mêmes. Elles adorent les marques parisiennes et ça tombe bien puisque nous sommes au cœur de Saint-Germain. Alors, on enchaîne avec le petit blouson en cuir galucha et la petite touche dorée derrière, surtout avec les franges puisque c'est complètement tendance cet été. Le sac en cuir verni avec une couleur aqua mélangée avec du beige et du camel. Tellement chic avec un petit t-shirt blanc. Ma paire de chaussures préférées, le détail qui tue à l'arrière, toujours dans ce mélange des matières, python, bleu qui tape. On n'oublie pas le kimono sur la plage, ça peut paraître kitsch, mais cet été vous en verrez partout, Sienna Miller la première. Et on termine par un esprit safari chic avec ce petit collier de l'os mélangé avec du daim. Tellement élégant, mais en même temps assez casual, chic, moderne, bref, un peu comme l'ambiance de la boutique The Space.